I was in a relationship with him for like 3-4 years, okay. And he died of a brain aneurysm in the middle of sex. Like, I was giving him head, and his last words was, "Oh shit." Une belle mort, comme on pourrait dire, c'est une belle mort. Je pense même qu'elle lui a aspiré tout son âme, on peut le dire. Je préfère pas avoir de fellation et rester vivant, mais je trouve ça fou. Moi, j'imagine trop la meuf, elle est en train de faire sa pipe et le mec est mort. Mais tu bondes plus, c'est moi qui fais mal. Ah, t'es décédé. Ok. Non, mais elle a trop bien travaillé. Et du coup, ça l'a vidé complètement de toute son énergie. Je comprends aussi. Et c'est vrai que ça s'appelle au final casser sa pipe. Et oui. La question que moi je me pose, est-ce que c'est un meurtre accidentel ou pas? C'est qu'en fait, est-ce que genre elle était j'imagine bien au tribunal, madame, vous avez fait une trop bonne pipe et du coup vous l'avez tué. Ça, c'est un peu comme les boxeurs, vous savez, les boxeurs quand ils se battent et qu'ils tuent quelqu'un, ils ont, leur poing c'est un peu une arme. Vous êtes une très bonne suceuse, donc vos poignets sont une arme. Un homicus involontaire. J'adore. C'est aussi ce qu'on appelle un peu une pompe funèbre. Eh oui les gars, on est sur les jeux de mots là, hein, c'est sûr. J'imagine trop la reconstitution avec la police. Alors, Martine, oui. Donc, il faut que tu suces quelqu'un. C'est moi qui vais faire le mort. D'habitude, je fais pas le mort, mais là, j'ai envie de faire le mort. Donc, tu vas me sucer, Martine, tranquillement. Hein. T'essayes pas de me tuer cette fois-ci. Si, c'est drôle. Et donc, voilà. Donc, tu fais gaffe, tu restes là, et moi, je me fous à poil. Après, tu dis peut-être que dans ta main, t'as un pouvoir de dingue qui peut rendre les gens... tu peux tuer les gens, tu vois. Et grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Donc faites attention quand vous faites des fellations. Sans les dents, Martine, sans les dents. Bien sûr, sans les dents. Ouais, non. On dit que c'est une belle mort, c'est une belle mort. Mais moi, j'ai pas envie de mourir comme ça. J'ai pas envie de mourir comme ça. J'ai pas envie de mourir tout court, en fait. Oh, voilà, c'était rigolo, en tout cas. C'était rigolo. Enfin, c'était rigolo. Ça reste quand même quelqu'un qui décède. Hein. Toi, t'es une super héroïne de la bite. Et bravo à toi. C'est quoi ton super pouvoir? C'est de sucer les méchants et de les tuer. Waouh! Bah, ils ont de la chance. Super suceuse! Elle suce tous les gens pour qu'ils meurent après. Il y a Félix Faure qui est mort comme ça. Et en fait, je me dis, ce mec, écoute, je sais pas ce qu'il a fait dans la vie, mais je le connais surtout parce qu'il a des rues à son nom beaucoup. Que Marc Dorcel pompe l'idée. Et moi, je vois très bien un film qui retrace toute sa vie à la meuf, genre un peu le film Napoléon, tu vois, mais sur la suceuse qui tue des gens en suçant les gens. Et là, c'est un banger. Là, je me suis toujours dit, ce qui est mort en 1899 comme Félix Faure, c'est toujours con parce qu'ils arrivent pas à 1900. Enfin, tu vois, c'est pas un chiffre rond. Non, je ne mourrai pas tant que je n'ai pas fait de chiffre rond, ok ?